Chers frères et sœurs, chers amis, en ce Noël 2022, nous nous retrouvons ensemble pour célébrer la naissance de Jésus, Dieu avec nous. Vous avez remarqué, on remarque à chaque année, lorsqu'on est devant la crèche, il y a toujours comme une lumière qui vient de Jésus, une lumière qui se dégage de Jésus. C'est dans la pénombre, c'est dans la noirceur, c'est dans les ténèbres, mais il y a une lumière qui vient de la crèche et plus particulièrement de Jésus. Et cette lumière qui vient de Jésus, elle traverse 2000 ans d'histoire jusqu'à nous. Elle nous rejoint en tant que nous croyons en Jésus, mais elle rejoint aussi tous les êtres humains parce que Jésus est venu pour toute l'humanité, tout être humain de tout lieu, de tout temps. Donc, c'est une lumière qui a le pouvoir de traverser les ténèbres. Quoi que ce soit qui arrive dans notre vie, la peine, l'angoisse, l'inquiétude, les blessures, la maladie, la perte d'un être cher, la lumière de Jésus, c'est une douce lumière qui traverse les ténèbres de nos vies et qui vient nous rejoindre, qui vient toucher notre cœur. Accueillons en ce temps de Noël toute la lumière que Jésus veut nous donner. Prions les uns pour les autres parce que nous sommes tous frères et sœurs les uns des autres. Et en cette lumière qui vient nous éclairer sur le chemin, mais qui vient aussi nous réchauffer et nous apporter la chaleur de son amour et de sa douceur, soyons tous ensemble dans nos familles, dans la société, en Église, dans une vie d'espérance comblée par la présence de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeux Noël, bonne et heureuse année.